Et donc, coucou tout le monde, aujourd'hui je suis juste trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo puisque aujourd'hui on va faire le remplissage de la semaine 1 du mois de septembre. Donc on va remplir du coup les enveloppes à la semaine et au mois et on va aussi faire le remplissage des épargnes puisque ben, forcément du coup on est en début de mois et ça c'est juste ultra cool. Alors il y a deux choses, même trois choses que vous devez remarquer à l'écran et vous devez vous dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ce classeur-ci et pourquoi j'ai pas mon classeur à la semaine? Donc le gris que vous connaissez. Tout simplement puisque vous vous souvenez-vous, il m'avait lâché au niveau du petit embout qu'il y avait ici et en fait j'en avais marre de pas pouvoir le fermer donc je l'ai jeté et j'ai repris mon ancien classeur marbre que vous connaissez. Bon, malheureusement il a toujours sa petite tache de bique que je n'arrive pas à enlever mais bon c'est pas grave et du coup j'ai l'impression vraiment de revenir aux sources parce que c'est mes deux classeurs du début, ça y est je les réutilise les deux, je suis plutôt contente. Autre chose que vous devez remarquer c'est que le fond marbre est revenu et oui voilà, j'avais envie un peu de changer, j'en avais marre d'avoir le tapis, je trouve ça mieux le fond marbre en fait, je sais pas pourquoi j'ai voulu passer au tapis, je pense que j'ai voulu un peu de changement mais honnêtement le fond marbre est très très bien. Je suis en face de la fenêtre donc désolée s'il y a quelques ombres, j'essaierai de réduire ça au montage mais voilà, je suis trop contente de revenir un peu à l'ancienne. Et troisième des choses c'est pourquoi il y a autant de pièces. Alors en fait là il y a 55 euros en pièces, d'où ça provient, qu'est-ce que ça fait là? Bah en fait simplement ça provient des défis. Je vous ai dit j'avais pas mal de pièces à échanger contre des billets vu que je suis allée du coup retirer les sous pour mon mois, et eh bien j'ai décidé du coup d'échanger certains billets de mon mois et de mes semaines contre les pièces pour enlever toutes ces pièces des défis et pour pouvoir les passer durant le mois. Voilà, donc chaque semaine je vais mettre un petit peu de pièces puisque 55 euros écoulés en pièces, faut y aller quand même. Donc j'ai 55 euros et j'ai un billet de 5 hein, également que j'ai récupéré dans les défis. Au total, j'ai 60 euros à peu près à écouler, on va dire. Enfin, si c'est pas écoulé, c'est pas grave, mais en tout cas, faut que je vire un max de pièces hein, parce que ça devient un peu gênant. Du coup, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de sortir l'argent du mois. Alors j'ai pu uniquement retirer 600 euros puisque bah, j'ai un retrait maximal par semaine de 600 euros. Donc il me restera 170 euros à retirer puisque souvenez-vous, il me faut 770 euros pour ce mois-ci. Vu que j'ai bien touché, on va mettre pas mal dans les épargnes et vu que je ne fume plus pour le moment, eh bien la catégorie tabac a disparu. Si vous n'avez pas connaissance de toutes les informations que je suis en train de vous détailler, je les ai expliquées. Lorsque j'ai établi mon budget mensuel pour le mois de septembre, je vous mets la vidéo dans le petit i, n'hésitez pas à aller la voir. Donc déjà, hop, il y a deux choses qui ont changé également dans le classeur à la semaine que je vais vous montrer avant de remplir les épargnes, avant de remplir du coup les enveloppes à la semaine. J'ai mis toutes les enveloppes à la semaine hein, qu'il y avait dans l'autre classeur, je les ai bifurquées là-dedans, bon ça ok. Et du coup, j'ai rajouté une enveloppe avec un petit tracker ici au cas où j'ai besoin d'une catégorie durant le mois qui ne serait pas du coup dans ce classeur. Et bien voilà, j'ai rajouté une petite enveloppe ici pour pouvoir mettre des sous dedans d'une catégorie autre si j'ai besoin. Pour le moment, du coup, il y a mes tickets de carte bancaire. D'ailleurs, j'ai déjà fait deux dépenses en CB. J'ai fait une dépense à Burger King d'environ 12 euros, il me semble que c'était 11,40 €. Et j'ai craqué, j'ai fait une commande Shein de 40 euros et quelques. Alors pourquoi j'ai craqué pour Shein? Tout simplement puisque au lieu de payer environ 90 euros, j'en ai eu pour 40 euros. Alors pourquoi? Puisque tout simplement il y avait moins 15% sur tous les articles, donc ça a bien baissé le prix. Ensuite j'ai eu la livraison gratuite et j'avais également environ 20 euros sur le portefeuille de Shein puisque j'avais renvoyé des articles, ils n'étaient pas à ma taille et je n'avais pas re-racheté. Donc du coup au final j'en ai eu pour 40 euros et des brouettes au lieu d'en avoir pour 90 euros à peu près. Ça valait vraiment le coup. Du coup, je me suis dit, fallait que je passe une commande. Voilà, j'ai commandé des jeans pour cet hiver, un pull, un petit crop top, un petit gilet pour la mi-saison, une paire de lunettes, des barésies. Et je crois que c'est pas mal déjà. Ça, c'est mes dépenses en CB. Donc, au total, j'ai à peu près dépensé 50-52 euros déjà en CB. Donc, il me reste un peu moins de 200 euros sur ma carte bancaire. Et ensuite, du coup, j'ai mis une autre enveloppe où là, je mets les sous pour le mois. Donc, je me suis dit que ce serait plutôt cool au lieu de les mettre là. Et à chaque fois, j'en oublie, hein, parce que c'est souvent ce qui se passe. Et bien, au moins, là, j'ai vraiment le visu. Du coup, on va venir sortir ces petits sous. Alors là, comme je l'ai dit, j'ai pu retirer 600, donc 600 avec ça et les pièces, hein, bien sûr, vu que j'ai fait les échanges entre bah, les défis et l'argent du mois et de la semaine. Alors, je vais venir me munir juste de ce petit outil que j'utilise pour à peu près chaque remplissage, puisqu'il est très pratique. On va venir mettre les billets. Tuc, tuc et tuc. Voilà. Où est-ce qu'on peut le mettre pour qu'on voie bien? Bah, je crois qu'on va le laisser là, hein. Ou à moins que je décale la plante.
Hop, je le mets juste ici, comme ça il y a tous les sous au même endroit. Peut-être pas plus mal. Et la plante, je la mets ici. On la change un peu de place. Voilà. On va venir remplir les épargnes. Je vais commencer par les épargnes à court terme. Vous allez être super contents parce que j'ai enfin mis pour chaque épargne les petits trackers. Voilà, je l'ai enfin fait hein, pour toutes les épargnes. C'est le cas. Au moins, maintenant, je sais où j'en suis. Donc, j'ai bien effacé toutes les traces qu'il y avait au marqueur sur chacune des couvertures. Et voilà, tout est inscrit derrière. Et ça, franchement, c'est ultra pratique. Vous allez être trop, trop fiers de moi. Ce week-end, il y a des vidéos qui vont vous plaire. Je pense qu'ils vont sortir des vidéos assez longues. Dont un, on crée de A à Z. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Donc, j'espère que vous serez contents. Soyez à l'affût. J'essaye de refaire 3 vidéos par semaine. Donc, une vidéo le mercredi avec donc un remplissage. Une vidéo le vendredi et une vidéo le dimanche. J'espère que ça vous fait plaisir. Moi, je suis juste trop contente vu que j'ai été malade. J'ai été hyper inactive. Et là, je sais pas, j'ai un surplus d'énergie un peu, donc j'en profite. J'ai tourné pas mal de vidéos à l'avance, je crois que j'ai 2-3 semaines d'avance. Bon, mis à part les vidéos remplissage, puisque ça, je suis obligée de les faire à peu près sur l'instant T. Mais pour les vidéos du week-end, j'ai à peu près 2-3 semaines d'avance. Et ça, c'est juste ultra cool. Bref, je vais arrêter de blablater, mais c'est juste que je suis trop contente. Et on va remplir les épargnes. Alors, Veto Toiletteur, ce mois-ci, on a prévu de mettre 30€. Je vais juste aller chercher un petit stylo pour pouvoir écrire au tracker derrière. J'ai pris aussi une règle pour pouvoir tirer un trait et marquer septembre. Voilà, pour savoir à peu près à quel moment on a mis l'argent, quoi. Donc, on a dit 30€. Ça va être un peu galère là, non? Je sais pas trop. Attendez, je vais noter sur le côté et je reviens. Ah mais en fait, vous voyez, ça va. Bon, je me mets un peu sur le côté pour écrire. Plus 30, du coup, on a dit... Je suis désolée, vous devez entendre ma voix des fois proche, des fois loin. C'est parce que bah, je bouge, en fait, tout simplement. Et le téléphone est ici, en fait. Et des fois, je suis là, des fois, je suis là. Donc, des fois, vous entendez ma voix de plus ou moins loin. Je suis désolée. 50, 60, 70, 80. Oui, c'est ça. Hop, 82€ pour l'épargne. Veto Toiletteur pour mon toutou. Ça, franchement, c'est juste ultra cool. On va venir prendre tout de suite 30€. Hop. On va venir les mettre dans l'épargne. Et du coup, ça c'est trop bien aussi, vu que c'est du papier cartonné et pas du papier plastifié, du coup j'écris au bic et pas au marqueur. Je peux revenir mettre directement le tracker, j'ai pas besoin d'attendre que ça sèche. Et ça c'est trop cool. Au moins il y aura plus de marques, vous savez, sur les enveloppes, parce que des fois quand vous mettez les marqueurs dedans, enfin quand vous mettez les marqueurs dedans, oula je m'exprime super mal. Quand vous utilisez du marqueur sur une feuille plastifiée et que vous la remettez directement dedans, des fois ça fait des petites marques, vous voyez comme ça, des petites marques noires sur l'enveloppe. Et après ça c'est un peu galère à enlever, surtout quand c'est à l'intérieur. Voilà, donc du coup c'est plutôt cool que ces petites feuilles soient encartonnées. Je commence à vraiment revenir au stylo bic et aux choses cartonnées plutôt qu'aux choses plastifiées. Je trouve ça beaucoup plus simple. Mobilier décoration, on va rien mettre dedans puisqu'on n'a rien prévu. Fêtes, donc fêtes, je rappelle que ça comprend les fêtes style jour de l'an, fête des mères, Noël, etc. plus les anniversaires. Alors, je sais pas si dans l'avenir, je vais pas séparer cette catégorie en deux, c'est-à-dire garder fêtes pour les fêtes jour de l'an, Noël, Halloween, etc. Et mettre un autre tracker pour les anniversaires. Parce que là, c'est vrai que les deux confondus, je me perds un peu, c'est pas très clair pour moi. Je pense que dans l'avenir, je ferai un autre tracker et du coup, un tracker anniversaire. Et celui-là sera décerné uniquement vraiment pour les fêtes. Donc, dans les fêtes, ce mois-ci, je vais mettre un beau montant. Je vais mettre 80€, puisque vu que c'est pour les fêtes et pour les anniversaires, bah, vu que ça arrive assez fréquemment, il faut que je la remplisse. Hein. Je la néglige un peu trop, cette épargne. Voilà, et c'est quand même important. Vous voyez toujours à peu près. On a dit 80€. Alors, je vais juste venir tirer un trait. Comme ça, on voit qu'on a changé de mois. Hop ! On est le 4/09, donc le 4 septembre, quand je tourne cette vidéo. Est-ce que j'avais mis le plus ? Oui. Plus, on a dit du coup 80€ pour fête. Oui, c'est ça. 90, 100, 110, 120, 130. On est à 130€ pour les fêtes. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, 80€, on va les prendre en billets de 20. 2, 4, 6, 8. Quand je retirerai l'autre montant, il faudra que je demande en majorité des billets de 50. Parce que j'en ai pas eu énorme, en fait, cette fois-ci. Et j'ai pas mal de billets de 20 et de billets de 10. Bon, vous allez me dire, c'est plutôt cool. À chaque fois, on en manque. Mais c'est vrai que pour les épargnes, je préfère avoir des billets de 50 parce que les enveloppes grossissent très très vite. Ensuite, shopping, on a dit que ce mois-ci, on mettrait 20€. J'ai trop hâte que cette enveloppe se remplisse parce que j'ai très très envie d'aller m'acheter pas mal de choses, dont m'acheter un sac. J'ai déjà acheté un sac, alors je sais pas comment ça se prononce la marque,
Lujo. À 150 euros, c'est un sac rose pétant. Voilà, un petit sac à main. Enfin, un petit sac à main, tout est relatif. Il est en forme de banane. Donc, il est. Enfin, banane, on s'entend bien, il fait comme ça, quoi. Je l'aime trop, en fait. Et j'ai une lubie avec les sacs à main depuis juillet. Ouais, je sais pas, j'ai un problème avec ça en fait. J'ai trop envie d'avoir des beaux sacs à main de marque, etc. Mettre vraiment des sous dans des sacs à main et m'habiller bien et tout. Enfin, je remets un peu mon style vestimentaire en question en ce moment. Voilà, ça me ferait plaisir de m'acheter un beau sac à main encore, puisque c'est vrai que couleur rose, c'est cool, hein. Et franchement, je le mets tout le temps. Mais c'est vrai que ça se met pas non plus avec tout. Donc, du coup, je dois faire un choix quand je m'habille. Parce que, bah, du rose, faut avoir des couleurs assez ternes sur soi pour que le sac ressorte bien et que ça fasse peps. Parce que si je commence à mettre du vert en haut, ensuite je sais pas moi, bon je vais dans l'extrême, mais du violet en pantalon et un sac rose, ça va pas faire du tout joli. Voilà, je suis obligée de mettre des couleurs assez neutres, style un jean basique bleu ou un jean noir avec un haut blanc ou un haut noir. Enfin voilà. Et du coup, faudrait que j'en achète un de marque qui soit un peu plus passe-partout. Pour comme ça, je puisse mettre des couleurs flash avec lui et pour que le sac, il soit dans des couleurs neutres en fait. Inverser la tendance vestimentaire entre le sac et les habits par rapport à ce que j'ai à l'heure actuelle. Je sais pas si c'est très compréhensible. Bon bref. Du coup, on est à shopping. Plus 20 euros et on est du coup à 40 euros pour cette épargne. Shopping. Et du coup, idéalement, pour m'acheter un sac de marque, alors si on vise pas dans les grosses grosses marques, hein, parce que moi, mon but ultime, c'est d'acheter un Versace, mais dans un pays moins cher, hein, parce qu'un Versace 1500, 2500 euros, non merci. J'en avais trouvé un à 850 euros dans le pays justement où j'avais acheté mes cigarettes moins chères. Voilà, parce qu'il y a une grosse zone commerciale qui a fait un designer en fait, et il y a toutes les marques, il y a Louis Vuitton, Gucci, Dior, Chanel, tout ce que vous voulez, et en fait. Bah, vu que c'est moins cher, et bah du coup vous payez moins cher les articles. Et en fait le sac était à 850 au lieu de 1500. Et franchement honnêtement ça vaut le coup. Après faut vouloir mettre des sous là-dedans, hein. Bien sûr, j'entends bien. Il n'y a pas tout le monde qui veut mettre des sous dans des trucs vestimentaires. Moi c'est mon kiff. Après chacun fait comme il veut, hein. Il y en a qui préfèrent mettre des sous pour les vacances, etc. Moi je préfère m'acheter un beau sac. Mais bon voilà. En fait est-ce que j'ai mis les sous? Parce que je parle, mais... Non j'ai même pas mis les sous. Et en fait, du coup, voilà, mon but, ça serait d'acheter un Versace, mais en attendant, du coup, vu que j'ai pas les 850 euros, clairement, à mettre dedans tout de suite, et ben, des petits sacs de marque, style Chanel et tout, à 150, 200 euros, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas, c'est des bons sacs et tout aussi, hein, franchement, je suis fan. C'est comme celui que j'ai acheté, le rose, je l'adore, je le mets tout le temps. Et au moins, c'est des sacs qui durent dans le temps, parce que les sacs de Shein qui durent peut-être un mois, j'en ai déjà acheté trois, hein, Shein, hein, pour 3-4 euros, bah, il y en a déjà deux qui sont pétés sur les trois, donc. Enfin, je trouve pas ça intéressant d'investir là-dedans pour que ça se pète au bout de 2 mois. Je préfère investir 150 euros et qu'il me dure 20, 30 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà. Du coup, bref, on revient aux enveloppes parce que là, je me perds. Et du coup, dans beauté, on va rien mettre puisqu'on a rien prévu pour ce mois-ci. Hop, on va passer du coup aux épargnes à long terme. Tic. Pour les épargnes à long terme, on va venir remplir voiture et on va venir mettre 30 euros. Hop, donc on va venir prendre les 30 euros. On va venir prendre le petit tracker et on va venir du coup rajouter sur le tracker qu'on vient mettre 30 euros. Alors je vais juste comme d'habitude faire un petit trait à la règle. J'ai tellement parlé que je sais même pas si j'ai fait un trait à la règle pour shopping. Je vais vérifier. Oui c'est bon, je l'ai fait. Je me suis perdue en fait dans ma conversation. Dès que je parle de sac à main, c'est bon, on m'a perdue quoi. Non mais en plus surtout que l'été c'est vraiment pas la période où on peut bien s'habiller. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre plus vous mettez de couches, plus ça fait stylé quand vous vous habillez. Donc du coup automne, printemps, voire même des fois hiver, enfin c'est stylé, vous voyez comment on s'habille parce qu'on met des couches, on peut faire des trucs stylés et tout. En été, à part mettre un short, un t-shirt ou une jupe, un t-shirt ou une robe, il n'y a pas plus de couches et donc ça fait pas, enfin il n'y a pas de style, vous voyez. Là on arrive dans ma période préférée de l'année pour s'habiller et même pour le temps en globalité parce que je suis pas une personne qui supporte le chaud, donc j'aime bien quand il fait froid. Donc automne, printemps, hiver, ça me va très bien et c'est mes saisons préférées. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai une excitation de ouf sur les vêtements et sur surtout les sacs à main, qu'on soit d'accord. Voilà. Donc bref, on revient. Je me suis encore perdue. 4, 9, plus, on a dit, 30 euros pour voiture. Hop, donc plus 30 euros, ce qui fait qu'on est à 155 euros pour la voiture. Ça c'est cool parce que souvenez-vous, j'ai dû prendre des sous pour payer mon contrôle technique. L'épargne avait pas mal baissé, mais bon, c'est des choses obligatoires, hein, bien sûr. On l'a re-rempli un peu et ça, c'est franchement ultra cool. Ensuite, retraite, on va venir mettre 80 euros comme tous les mois. Voilà, cette épargne, elle n'y échappe pas. Franchement, pour l'instant, j'arrive bien à la remplir tous les mois. Je suis très contente. J'avais peur de pas forcément y arriver quand j'avais débuté cette épargne. Et là, ça fait un petit moment que je la remplis. Et tous les mois, en fait, je la remplis et je suis trop, trop contente.
Voilà, au moins ça me fera quelques petits sous supplémentaires pour ma retraite et c'est pas négligeable. On est le 4-9 plus 80 euros et du coup on est à 160 il me semble. Hein. Oui, 160. 160 pour l'espèce et on a, souvenez-vous, 480 euros sur le livret. Donc on est à 640 je crois. Si je dis pas de bêtises, on est à 640 euros au total pour la retraite, si je me trompe pas. Hein. C'est plutôt ultra cool. Alors du coup, j'ai pas mis les sous. Non, on va mettre en billet de 20. 2, 4, 6, 8. Je pense que vers la fin de l'année ou ouais, vers décembre, je pense que je viendrai du coup mettre les sous de retraite dans le livret. Hein. Comme je l'ai dit, c'est à peu près quand j'ai entre 400 et 500 euros. Et je pense que ça sera à peu près lors de la fin de l'année. Même si j'ai un peu moins, je pense qu'à la fin de l'année, j'irai mettre tout dans le livret. Ensuite, du coup, santé, on ne remplit pas puisqu'on va la remplir à la semaine et au mois. Vacances, on va venir mettre 50 euros dedans puisque avec mes copines, on prévoit de partir peut-être en Grèce. Ça serait cool. Enfin, moi, j'aimerais bien partir en Grèce en tout cas. J'essaye de les convaincre. Et du coup, ben voilà, il faut des sous. La Grèce, c'est pas non plus ultra cher. En tout cas, on avait regardé les billets d'avion et tout. C'est pas non plus ultra cher. Mais il faut quand même prévoir pas mal, voilà. Enfin, moi, j'aimerais bien prévoir 1000 euros à peu près. Enfin, 1000 euros dans cette épargne et j'aurai toujours mon compte bancaire. Donc, si je dois utiliser 200 ou 300 ou 400 ou 500 euros, je pourrais en plus. Mais idéalement, dans cette épargne, je voudrais avoir à peu près 1000 euros. Donc, 50, là, on est à 250. Et le but, c'est d'avoir les 1000 euros à peu près en juin. Donc, on va venir faire le petit trait. Je vais rigoler hein, pour écouler mes pièces hein, parce que je suis en train de les regarder là depuis tout à l'heure et je me dis ça va être très drôle cette histoire. Alors, on est le 4-9 plus 50 et on est à 250 euros. Mais je suis en train de penser à un truc. Cette semaine, je compte pas trop... En fait, je veux dire cette semaine, je compte pas trop sortir. Mais en fait, tout le mois de septembre, je compte pas sortir. J'espère que je vais pouvoir quand même les écouler, que je vais pas me retrouver encore avec 55 euros de pièces. Parce que franchement, ça va être problématique. Hein. On va venir ranger le petit tracker. Hop. Et concernant imprévu, je vais venir mettre 50 euros dans cette épargne. On a déjà 50, il me semble. Ouais, donc on est à 100 euros. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été à 100 euros pour imprévu. Je sais même pas si on a déjà été à 100 euros. Si, on a dû déjà y être. Donc, 2 billets de 20, 1 billet de 10. Remarque, je vais garder ces billets-là et je vais plutôt prendre le billet de 50. Ouais, on va faire ça. Hop. Bah, du coup, on est à 100 euros pour imprévu. Plutôt cool. Idéalement, il faudrait que j'arrête de toucher à cette catégorie. Là, pour l'instant, ça va. Mais bon, est-ce que ça va se maintenir comme ça? Je sais pas. Mais il faudrait que j'arrête d'y toucher. 4, 9, plus 50. Et on est à 100 euros. Trop bien. Voilà, du coup, on a fini de remplir les épargnes. C'est plutôt cool. Moi, la vidéo, ça fait 25 minutes qu'elle tourne là déjà. Bon, vous, au montage, ça fera moins. Mais c'est énorme. Juste pour remplir des épargnes, je crois que je vous ai beaucoup parlé. J'arrive plus à parler du coup. Maintenant, on va remplir du coup, bah... les sous pour la semaine et pour le mois pour certaines catégories qui se remplissent au mois. Alimentation, on va mettre 50 euros. Alors, il faut que je réfléchisse où je vais mettre les pièces. Déjà, je pense que dans divers, je vais mettre 5 euros et des pièces. Ça fait 10 euros déjà ce mois-ci de passer sur 60. Si on compte le billet de 5, hein, bien sûr, avec les pièces. Puisqu'il y a 55 en pièces et 5 euros, donc 60. Et je pense que je vais mettre 10 euros en pièces dans plaisir. Ouais, on va faire ça. Et du coup, dans alimentation, tango... Ah, Tango aussi, je pourrais mettre des pièces. Hein. Parce que s'il va au toiletteur et que ça coûte 45, parce qu'il me semble qu'en fait c'est 45 euros. Parce que à chaque fois je vous dis, je sais plus combien c'est, mais en fait il me semble que c'est 45 euros. Donc il me faudrait des pièces. Il faudrait que je mette 10 euros en pièces. Je mets 10 euros en pièces dans plaisir et 10 euros en pièces dans divers. Ça fait déjà 30 euros sur 60. Ouais, c'est pas trop mal. Je pense qu'on va faire ça. Ou est-ce que je mets. Parce qu'en fait, le problème c'est que si je sors pas et que je dépense pas les pièces, je vais encore me retrouver avec des pièces. Donc est-ce que je mets vraiment les 10 euros en pièces dans plaisir cette semaine? En sachant que je ne pense pas du tout sortir. Peut-être plus les autres semaines, même si je compte pas sortir tout le mois de septembre. Mais cette semaine-là, je compte vraiment pas sortir parce que je suis encore malade de ma pneumonie. Il faut quand même que je reste encore me reposer jusqu'au 15. Donc je pense que je me retrouve encore avec les pièces si je les mets maintenant dans l'enveloppe plaisir. Donc écoutez, je vais mettre 10 euros en pièces dans Tango et 10, enfin 5 euros et 5 euros en pièces dans divers. Je pense déjà on va faire ça et les semaines d'après, on continuera à écouler les pièces. Voilà, je pense que c'est plus simple parce que là, je suis en train de me casser la tête pour rien. Dans alimentation, déjà, on va venir mettre 50 euros. Ah, ben j'avais déjà fait les traits pour les trackers semaine-mois, c'est plutôt cool. Semaine 1, septembre, on va marquer comme ça, plus 50. Et du coup, on est à 50 euros, voilà. Et du coup, les 50 euros, je vais les mettre comme ça. Ouais, 1, 2, 3. Ok. On va s'en sortir. C'est compliqué, hein, cette histoire, un peu. On vient remettre le tracker. Du coup, concernant Tango. Oula, attendez, mon billet, là, il fait un truc bizarre. Voilà.
Concernant Tango, du coup 60 euros, donc je vais mettre 50 euros en billets et 10 euros en pièces. Donc 2, 4, 5 et on a dit 10 euros en pièces. On va passer les pièces de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va venir noter du coup sur le tracker qu'on vient déposer 60 euros. Ah, c'est vrai que c'est toujours des trackers papier ici. J'avais oublié qu'il y en avait deux de trackers papier, donc Santé et Tango. Parce que souvenez-vous, je m'étais gouré lors de l'impression et je voulais pas les jeter pour éviter le gaspillage. Semaine 1, septembre. Et on a mis plus 60 euros et on est à 60 euros pour cette épargne. J'espère que je vais l'emmener au toiletteur. Parce que ma mère, elle m'a dit que c'était peut-être pas besoin. Mais moi, je pense qu'il faudrait quand même lui refoutre un coup avant que bah, vraiment l'hiver commence et que le froid s'installe en fait. Parce qu'en fait, si je lui fais maintenant le toiletteur jusqu'à. Bah, on est en septembre. Donc si je lui fais mi-septembre, octobre, novembre, décembre, je lui fais rien jusqu'à décembre. Et début janvier, je le ramène au toiletteur. Comme ça, ses poils, en fait, ils ont bien le temps de pousser pour l'hiver. Et en janvier, je lui fais juste une coupe pour rafistoler, quoi. Mais je coupe plus à ras. Mais là, c'est vrai qu'il fait encore bon. Et je me demande, ça serait pas l'occasion de le couper comme je coupe d'habitude pour l'été. Comme ça a bien le temps de repousser pendant 3 mois pour l'hiver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, j'ai un doute. Mais je pense quand même que je vais l'emmener au toiletteur ce mois-ci. Puis même, de toute façon, ma mère, son shih tzu, elle aussi, faudrait qu'il aille au toiletteur, clairement. Donc je vais voir ça, je pense que je vais appeler le toiletteur juste après. Et je vais essayer de caler un rendez-vous pour mon chien, qu'elle lui recoupe un peu les poils, quoi. Bref, santé. On va venir mettre 20 euros. Hop, donc on va venir le noter. Semaine 1, septembre, plus 20 euros. Et on est à 20 euros. Hop. Ça, on va venir mettre avec un billet de 20. Parce que dans tous les cas, c'est pas utilisé. Ça ira dans l'épargne santé. Ce qui est majoritairement le cas. Bah, voire même tout le temps, en fait, le cas pour chaque mois. Du coup, plaisir. On va venir mettre un billet. Faudra que je refasse un tracker pour plaisir. Parce que là, il commence à être vraiment archi plein, je pourrais bientôt plus inscrire dessus. Plus 30. Et du coup, on est à 30 euros pour plaisir. Si jamais je vois que cette semaine, je vais dépenser des sous de la catégorie plaisir ou même de la catégorie plus ou quoi, je pense que j'échangerai les billets que j'ai mis dans les enveloppes avec vous contre des pièces. Comme ça, je passerai les pièces à ce moment-là. Je pense que voilà. Donc si jamais j'utilise pas les pièces cette semaine, je pense que je les échangerai contre des billets, je les remettrai la semaine d'après. Enfin bref, vous avez compris le principe, pour avoir le maximum de chances d'écouler les pièces, tout simplement. Donc 30 euros, hop, voilà. D'hiver, on va venir mettre du coup 10 euros, donc on va mettre les 5 euros, donc le billet, plus 5 euros en pièces. Semaine 1, septembre, plus 10 et on est à un total de 10 euros. Le tracker d'hiver commence à être bien plein aussi, je suis en train de voir ça. Donc 5 euros, alors je sais que j'ai des petits centimes là, donc je vais venir les prendre qui font 1 euro déjà. Hop. Et on va prendre bah encore des pièces de 1, hein. Écoutez, il faut les écouler ces pièces de 1. Donc 2, 4 et 5. Plus 5, ça fait 10. Voilà. Je vais y arriver à les écouler mes pièces les gars, hein. Vous allez voir, je vais y arriver. Là j'en ai trop accumulé là, vraiment. Et on va terminer du coup avec plus où on va venir mettre 20 euros. Hop, alors semaine 1, septembre. Vous voyez déjà il en reste moins des pièces, c'est déjà cool. Là il doit rester du coup bah, 30 euros. Ouais c'est ça, 30 euros. Il y avait 60 en comptant le billet de 5. Moins 10, moins 20. Eh non, il reste 40 même. Ouais, il doit rester 40. On va compter juste après. Donc plus 20 euros et on est à 20 euros pour plus. Hop. Il va falloir vraiment que je retire la semaine prochaine. Parce que je pourrais jamais remplir mes enveloppes. Même si j'ai des pièces, quoique il me faut 50 euros, je crois, par semaine. On met 20, 10, 30. Ah non, il me faut 60. Ah ouais, non. Ah, quoique si, en fait, j'ai juste le montant, je crois. Enfin, même un peu plus, du coup, avec les pièces. Du coup, on va compter combien de pièces il nous reste à écouler. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, 10 euros. 2, 4, 6, 8, 10. 20 euros. 2, 4, 6, 8, 10. 30 euros. 2, 4, 6, 8 et 10. Il reste 40 euros à écouler en pièces. Donc si effectivement, si je retire pas la semaine prochaine, je pourrais quand même mettre
dans les enveloppes, puisque là, on a 30 plus 40. Donc, on a 70 euros et moi, je dois mettre 60 euros par semaine dans les enveloppes. D'ailleurs, j'ai vu une pièce. C'est quoi ça? J'ai jamais vu cette pièce. Vous la voyez ou pas? Si vous la voyez, j'ai jamais vu cette pièce. Mais des fois, il faut regarder les pièces parce qu'à ce qui paraît, ça vaut de l'argent. Hein. Là, il y a une pièce de Monaco, une pièce d'Espagne. Bon, ça, c'est des pièces basiques hein, qu'on voit souvent. Ça aussi. Ah, attendez, on va regarder un peu, ça m'intéresse. Mais celle-là, vraiment, je vous jure, je ne l'ai jamais vue. Une pièce de 2002. J'ai plein de trucs différents en fait. Celle-là, c'est vraiment une commune quoi. On dirait qu'on parle de Pokémon. Celle-là aussi, je la vois souvent. Ah bah, vous voyez, c'est celle qui revient le plus. Waouh, c'est trop stylé. Ah, celle-là, je l'ai jamais vue non plus. Jacques Chirac. Waouh, trop stylé, les gars, je vous jure, j'aime trop. Je sais pas si vous aussi, vous aimez bien regarder ce genre de choses. Ah, celle-là, c'est quoi? Copro Nacional dei Vigili del Fuego. C'est un truc espagnol ou italien, ça. Ah, c'est la pièce de François Hollande, les gars! C'est ça, hein, on est d'accord, hein? Non, mais celle-là, j'en suis sûre, elle doit valoir des sous, hein. C'est sûr. Je l'ai jamais vue, vraiment, celle-là, c'est celle qui m'a tapé à l'œil cash. Bon, bref, on s'en fout. On va venir mettre, du coup, les pièces up et les billets dans l'enveloppe bah, décernée pour les sous du mois. Ça fait quand même beaucoup de pièces, quoi. Vivement qu'on les écoule. Voilà. Ah oui, d'accord. Ça veut même pas se fermer, limite. Mon Dieu. Bon, on va s'en sortir. Là, mon glaceur, il coule et tout. Enfin, il coule, il tombe. Tellement il y a des trucs lourds dedans. Bon, bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner ainsi que d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Cette phrase, je commence à la connaître par cœur à force, les gars. C'est pour ça que je l'ai dit aussi vite. N'oubliez pas, ce week-end, il y a un on crée de A à Z et je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Et il y a le complément de la vidéo on crée de A à Z qui sortira du coup dimanche. Enfin, vous comprendrez ça quand la vidéo de vendredi sera sortie. Voilà, donc soyez actifs. Franchement, je pense que vous pouvez kiffer. Concernant la vidéo de ce week-end, j'ai tourné quand j'avais encore ma pneumonie. Donc des fois, j'ai du mal à parler. Hein, mais... tout va bien, voilà. C'est pas que je suis remalade, hein, c'est juste que je l'ai tourné en avance. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous tout le monde!